Je suis un petit gars d'Alsace qui a bourlingué un petit peu et qui est revenu dans son village natal, avec plein d'idées dans la tête. Un homme sauvage apprivoisé. L'Alsace est une terre gastronomique, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui Jérôme Jaeger s'est installé à Kaysersberg, c'est parce que tous les anciens étaient là avant et ils ont construit cette identité. Donc nous, on a juste à continuer à faire vivre ça et c'est une aubaine pour un jeune. Gamin, j'étais avec mon grand-père qui avait une boucherie, qui était quelqu'un de très droit, à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, il avait besoin de s'évader, il avait un élevage de moutons, tu vois. Il était tout le temps dehors, s'il n'était pas dans sa boucherie, il était dehors. Et moi j'ai souvenir, quand je te parle de sauvage, moi mes mercredis, mes vacances, il m'avait même installé une caravane. J'ai passé mes vacances là-dedans avec mon cousin. Et il nous ramenait le pain le matin, de quoi manger. On avait un petit glacier, nous ramenait des glaçons, parce qu'il n'y avait pas d'eau, d'électricité courante. Et on avait le droit de se laver dans le ruisseau. Et on avait 12 ans, ils nous laissaient là-dedans. Et on s'est construit là-dedans, on faisait des arcs, on pêchait les grenouilles, les écrevisses, il y avait encore des écrevisses et tout ça. Et aujourd'hui, c'est mes coins de cueillette. Donc c'est énorme, la boucle est de revenir, tu vois. Bon, mon grand-père est décédé il y a quelques années déjà. C'est quelqu'un qui était très dur, qui avait plusieurs boucheries, qui était très droit, intransigeant sur certaines choses. Et apparemment, j'ai des grandes ressemblances sur le caractère. Quand je cuisine pas et je suis pas avec ma famille, qu'est-ce que je fais? Je suis tout le temps avec ma famille, je cuisine tout le temps. Je me ressource, je me retrouve, je me rééquilibre. C'est clairement des moments à moi, c'est des moments sauvages, mais complètement. La personne qui vient manger une volaille, qui est élevé un peu plus haut chez moi, tu as la carte de visite ou tu donnes le numéro de portable du producteur. Allez les voir, allez voir ce qu'ils font. Allez, voilà, il faut être entier. Moi, j'aime pas. Je suis quelqu'un d'entier, ça m'a des fois joué peut-être un peu des tours, mais ouais, il faut pas mentir aux gens. Les gens, ils ont envie, ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à comprendre plein de choses. Mais il faut être entier, il faut pas mentir aux gens. Ça m'énerve. Donc voilà, à un moment donné, c'est ça être acteur de son terroir, c'est ça, c'est être clair, pas faire croire aux gens qu'on produit tout. Et finalement, un jour, il passe devant le restaurant et il te voit décharger des caisses de légumes, quoi. Tu passes pour quoi là? Ils sont là pour nous écouter, nous comprendre, prendre du plaisir, on a cette chance. On vit grâce, on vit parce qu'on donne du plaisir aux gens. J'ai fait des semaines en forêt pour comprendre le végétal, avec des bouquins, toutes les plantes, je m'y suis collé, je suis un viandard. J'ai fait 6 mois de végétarisme pour comprendre le végétal. Et j'allais bien, hein, mais derrière, j'ai rattaqué la côte de bœuf quand même. On produit environ 70% de nos besoins en légumes, herbes, racines, fruits. Cette année, on a fait de la cacahuète. Pour voir ce que ça pouvait donner, tu vois. Tu vois, il y a des choses comme ça, on fait juste pour voir ce que ça donne. Chaque année, il y a 2-3 choses comme ça qu'on essaye. Et il faut absolument que je trouve un moyen aussi pour emmener les gens dans mes jardins. J'ai envie de partager ça. Voilà, on aimerait expliquer cette démarche, ces jardins, ce non-travail de sol. C'est méga l'après-midi, ils vont au jardin. Ils se posent, ils se relaxent. En été, il y a des hamacs. C'est un lieu de calme, de réflexion. Ça nous est arrivé de prendre, de faire des réunions de travail au jardin, le matin, ou de faire des petits déj au jardin avec les équipes. Il n'y a pas tu laves, t'épluches, nanana. Non, le produit il est là, il n'y a pas à tortiller, il suffit à lui-même. Ça ne sert à rien, si tu as un bon produit, tu as tout fait, tu as juste à le respecter. Topinambour, pour moi, c'est un produit super complexe, un produit que j'adore. T'as ce goût de noisette, t'as ce goût blanc aussi, ivoire que tu peux avoir. Ce blanc, même pas ivoire, ce blanc nacré quand tu le cuis correctement et tout, bien épluché. T'as ce côté aussi un peu rustique où tu peux le travailler avec la peau et lui donner le côté noisette, le côté caractère très foncé et tout ça.
Et t'as surtout la plus belle des surprises du topinambour, c'est quand tu crois que t'as tout enlevé une année, l'an d'après tu retrouves à 50 mètres plus loin, t'en retrouves qui sort. Et tu sais pas comment ça arrive. Et moi j'adore ce côté un peu magique du topinambour. C'est pas juste un topinambour, c'est le topinambour. Et du coup, t'as tout le monde qui commence à te dire waouh, mais vos légumes ils ont un goût. Waouh, mais j'achète des paniers bio, mais mes légumes sont pas aussi bons. Qu'est-ce que vous leur mettez à vos légumes? Je dis mais je leur mets rien. Mais sachez juste qu'un légume, une racine, une plante qu'on prélève, il sera pas en goût croissant, c'est quelque chose qui est en train de mourir. On le sait tous, on prélève. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur? Une carotte, tu la sors de la terre, tu la croques au jardin, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Quoi. C'est l'exemple type, c'est la carotte, le radis. On l'a tous fait, gamin. Enfin, j'espère que tout le monde l'a fait, ça, au moins une fois dans sa vie. Eh ben voilà, le truc, c'est réduire le laps de temps de conservation des légumes. On peut le faire. Notre luxe aujourd'hui, c'est nos jardins derrière. On n'a pas de cueilleurs ici. C'est bien dommage. Quoi, dommage, oui et non, parce que du coup, on partage autre chose. Mais ça nous prend vraiment du temps dans nos journées. Et la journée commence par cette méditation-là, parce que c'est une vraie méditation. Le contact, le produit, le prélever correctement, le respecter. Pas en prélever trop, parce que sinon, on va le gâcher. Pas le prélever trop, parce qu'on va le dévaster, on va l'abîmer. Prendre ce qu'il nous faut pour la journée. De la biche au charbon que je faisais à une période, je la vendais pas à la carte, je la pose sur les menus, les gens ils tombent à la renverse, ils me disent tous waouh, on n'aurait jamais pensé que c'était pas fort. La biche noire comme ça, vous faites ça comment et tout, on n'aurait jamais pris ça à la carte. Ben vous voyez, c'est pour ça que j'ai enlevé une carte. Parce que vous arrivez et du coup vous vous mettez dans une case, je choisis ce que j'aime. Laissez-vous guider, mon boulot je le connais, c'est ma passion, j'ai envie de vous faire ressentir les choses. Ce qui est magnifique, c'est quand tu vois un couple qui arrive et monsieur est un peu ronchon ou ils sont pris la tête ou je sais pas ce qu'il y a eu comme discussion dans la voiture sur la route ou elle a loup, je sais pas, ça nous est tous arrivé avec notre femme de se planter de route et de ronchonner dans la voiture et tu vois qu'il y a une tension et puis tu vois les visages parce que j'ai une vue sur toute la salle et je sors vers les gens aussi. Donc t'es là et tu sais, tu les as vus rentrer, tu vois que c'est tendu. Je commence le repas, je passe à table, je vais les voir, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et puis ils partent, ils se tiennent. Et quand ils repartent, ils ont le sourire, ils se tiennent la main et tout ça. Ça c'est magnifique, tu te rends compte de la chance qu'on a de faire vivre ça. Moi c'est énorme, moi ça c'est... Mais tu sais que ça me booste. Hein. Et c'est pour ça aussi que je veux que mes cuisiniers, que mes garçons en cuisine, ils aillent vers les gens qui se rendent compte de ce qu'on leur procure comme plaisir. Aujourd'hui, moi, quelqu'un qui n'est pas fier dans mon équipe de faire ce qu'il fait, il ne reste pas chez moi. Moi, mes équipes, c'est énorme. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis là. Oh ben, mon grand-père de là-haut, c'est sûr, il a son opinion déjà sur la chose. Je sais qu'il y aurait des choses qui comprendrait, il y aurait des choses forcément avec la différence d'âge qu'il comprendrait pas, mais je pense peu importe où il est, peu importe s'il est réel, voilà, peu importe où il est, ce qu'il voit, ce qu'il ressent et tout, mais je pense qu'il est heureux de me voir heureux dans ce que je fais, je pense vraiment. Et puis on est en train de créer quelque chose de chouette.